on est davantage sur la question des vecteurs, de la circulation des savoirs sur le genre. Donc, deux vecteurs, alors vraiment qui n'ont pas grand-chose à voir, mais c'était volontaire. D'abord, un champ, qui est l'histoire. Et pourquoi est-ce que l'histoire est justement un vecteur privilégié de transmission ou de circulation des savoirs? Et ça a été... on va y revenir. Et deuxième table ronde, là, davantage, on connaît davantage l'idée de circulation sur les médias. Donc, sur l'histoire, pourquoi avoir choisi d'abord un petit renseignement sur passeuse d'histoire, parce que nous devions avoir un panel avec que des femmes. Finalement, c'est un panel mixte, mais on a quand même laissé les passeurs. Disons que c'est passeuses et passeurs d'histoire. Et l'idée, c'est que l'histoire a été d'abord un des premiers champs investis par le féminisme et par les féministes, aussi bien au XIXe siècle qu'au XXe siècle et que plus, disons, dans les dernières années du XXe siècle, de façon beaucoup plus institutionnalisée et académique. Mais il y a toujours eu cette volonté d'interroger l'histoire pour comprendre où étaient les femmes, remettre en avant les femmes oubliées et essayer aussi de comprendre et de constituer une mémoire féministe, y compris avec des hommes féministes dans ce panthéon éventuel. Donc ça a toujours été un champ, loin de le prendre uniquement comme une discipline. C'était un champ qui a été particulièrement investi par le militantisme féministe, avec cette confusion ou ce balancement entre histoire et mémoire, selon les critères, justement, de qu'est-ce qu'un travail historique, selon bien sûr, les époques. Donc ça nous a semblé vraiment intéressant d'essayer de comprendre comment est-ce que la connaissance historique, l'investigation historique, était un des vecteurs de cette circulation. Et nous espérons donc pouvoir justement reprendre ce que je vous ai expliqué en introduction, aussi bien l'hybridation de ces savoirs, qu'est-ce qu'on apprend du politique dans le culturel et du culturel dans le politique, qu'est-ce qui s'élabore comme type de circulation, puisque notre questionnement, bien sûr, c'est de découvrir aussi des terrains et des expériences, mais c'est aussi l'idée de comment ça circule, pourquoi, avec quel type de caractéristiques, dans des champs très différents. Donc je laisse Catherine Louveau, qui est membre du conseil de direction de l'IEC, nous présenter nos invités. Voilà, donc quatre intervenants, oui. Donc pour cette table ronde, alors dans l'ordre alphabétique, comment ? Alors j'ai failli le dire au féminin, mais excuse-moi Geneviève, comme il y a un homme, donc alors. Allez, vas-y, continue. C'est chaud. C'est très très chaud. Alors, non mais c'est bien, c'est peut-être nos dernières assises. Catherine Gonnard, donc, tout d'abord, qui est journaliste, essayiste, spécialisée donc, dans l'histoire des femmes et de l'homosexualité féminine. Elle a milité donc, dès les années 80 dans le mouvement des femmes, le mouvement lesbien et LGBTI. Et dans ce cadre, elle a donc été journaliste dans diverses revues et aussi directrice de la publication à Lesbia Magazine pendant une dizaine d'années. Ensuite, elle donc, a co-écrit un livre avec Elisabeth Lebovici sur les femmes artistes et publié de nombreux articles sur les femmes plasticiennes, photographes, entre autres pour des catalogues d'exposition. Et elle travaille actuellement sur les lesbiennes invisibles de la télévision française dans les années 50 et 60. Ensuite, sur cette table ronde, Geneviève Cellier, qui est professeure donc en études cinématographiques à l'Université Bordeaux-Montaigne depuis 2010, qui est spécialiste des approches genrées du cinéma et de la télévision et qui a publié plusieurs ouvrages sur ces questions, entre autres, par exemple, « La drôle de guerre des sexes du cinéma français » 1930-1956 avec Noël Bourche,
Et puis, Ignoré et eux, de tous, sauf du public, 15 ans de fiction télévisée française avec le même co-auteur. Ensuite, donc, troisième intervenant, masculin, Fabrice Virgili, donc, directeur de recherche au CNRS, qui travaille depuis plusieurs années sur le genre et les guerres mondiales, et notamment sur les violences sexuelles. Donc, dans ces contextes, il est membre du comité de rédaction de la revue Clio, Femmes, Genre, Histoire, et vice-président aussi de l'association Mnemosyne pour le développement de l'histoire des femmes et du genre. Il a notamment publié, je dis notamment, dans son cas aussi, aux éditions Payot, donc La garçonne et l'assassin, histoire de Louise et Paul, déserteur travesti dans le Paris des années folles, La France virile, des femmes tondues à la libération, et donc, ou bien, il a dirigé aussi la revue Clio sur le numéro spécial Les lois genrées de la guerre. Il a été aussi co-commissaire, si je peux le formuler comme ça, de l'exposition Amour, guerre et sexualité en 2007 aussi, ce qui est un vecteur de diffusion. Les expositions, évidemment, importants aussi, conséquents. Et enfin, donc, Louisa Zanoun, qui est docteur en histoire internationale et qui a fait une carrière universitaire à Londres, puis à Montréal, et qui a rejoint en 2012 l'association Générique à Paris comme responsable des activités scientifiques et culturelles. Générique, organisme qui travaille sur l'histoire et la mémoire, c'est ça, des femmes, de l'immigration en France. Et au sein de cette association, elle a justement développé, coordonné des projets sur l'histoire des femmes immigrées, notamment un numéro de revue Migrance, et puis une exposition, enfin des expositions, une virtuelle et une itinérante. Voilà. Alors, c'est le même procédé comme à chaque fois. Nous allons vous poser une question à chacun, et puis vous allez tous répondre, donc 5 minutes, on vous fera passer un petit papier quand les 5 minutes sont finies. C'est vrai que c'est assez frustrant, mais c'est un peu la façon de dynamiser aussi le débat. Donc cette première question, c'est de savoir si dans chacune et chacun dans votre domaine, vous pourriez nous dire à partir de quelle expérience particulière vous avez contribué à analyser ou à promouvoir la circulation des savoirs historiques sur les femmes et le genre. Quelle forme ont pris ces circulations? Donc, on va commencer par Louisa. D'accord. Alors, je tiens juste à préciser que, effectivement, je travaillais pour l'association Générique que j'ai quittée tout récemment. Donc là, je ne fais rien à part profiter de mon temps, de mes enfants, et participer à des colloques très intéressants comme celui-ci. Donc, merci pour l'invitation. J'allais dire à partir de quelle expérience particulière, c'est une très bonne question. C'était d'ailleurs la première question qu'on m'avait posée lors de ma soutenance de thèse à Londres. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet de recherche qui était rien à voir avec les femmes, les luttes droite-gauche à l'époque du Front populaire en France, mais une question sur l'histoire des luttes donc. Et je pense que comme beaucoup de chercheurs, nos sujets de recherche nous touchent personnellement et touche à l'intime. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis fille d'immigrés algériens, fille de harkis aussi, qui est une histoire aussi particulière, avec une certaine tradition dans la famille où les femmes ou les filles ont une place à part. Donc on n'est pas sur le même pied d'égalité que les hommes. Je généralise, hein, je vous parle de mon vécu à moi. Ça part d'un exemple tout bête, c'est qu'à table, mes frères recevaient la meilleure et la plus grosse part à manger. Et que moi, j'avais donc le blanc de poulet ou l'aile, si j'avais de la chance. Et que quand je disais pourquoi lui et pas moi, on me disait parce que t'es une fille. Alors pour moi, c'était insuffisant comme réponse. Et je pense que c'est ce qui me motive aujourd'hui d'ailleurs, et je le retrouve dans mes recherches et dans l'éducation de mes enfants aussi. C'est que parce que t'es une fille ou parce que t'es un garçon, ça veut rien dire, c'est du vide. Et qu'il faut chercher à comprendre. Et sur la question des femmes, c'est cette expérience-là qui m'a formée. Quand j'étais jeune, qui m'a poussée ensuite, quand j'ai rejoint Générique, à travailler sur les femmes. Avant de parler de mon expérience à Générique et ce que j'y ai fait, il y a aussi deux expériences qui me sont arrivées. C'est que j'ai fait mes études supérieures, une partie en Grande-Bretagne, au milieu des années 90, et qu'il y avait des départements de Gender Studies et de Women's Studies partout.
Alors, je découvrais ça, venant du milieu universitaire français. J'étais à l'époque à l'université de Nancy, en Lorraine. Et je me disais, mais c'est quoi ces gens qui s'intéressent aux femmes? Après tout, on est tous les mêmes. Et j'ai grandement appris, notamment sur la question des droits, des inégalités, et aussi sur la question des rapports entre les femmes et les hommes. Et ensuite, plus tard, pendant ma thèse, j'ai fait la rencontre complètement par hasard, mais heureuse, de Françoise Bache, qui est une ancienne de Paris 7, qui est aussi la petite fille de Victor Bache, sur lequel je travaillais dans le cadre de mes études, sur la Ligue des droits de l'homme au temps du Front populaire. Et il s'est trouvé que je l'ai rencontrée parce que je cherchais un logement sur Paris, j'habitais à Londres à l'époque. Et j'ai répondu à une annonce, elle m'a logée, on est devenus amies, je la vois un peu moins ces jours-ci. Et donc elle m'a raconté un peu son histoire, son parcours, et elle m'a ouverte à vraiment une autre façon de faire l'histoire et de voir l'histoire, et surtout les femmes, la place des femmes dans l'histoire. Et ensuite, donc il y avait une troisième chose, mais je vais la retrouver, c'était mon expérience doctorale, voilà, en tant qu'étudiante. Alors, j'étais donc à Londres, dans une institution assez classique, London School of Economics, où les gender studies n'existent pas, où on fait des études internationales, et où je me suis dit, un jour, tout ce que j'ai emmagasiné, tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a motivée, ces rencontres que j'ai faites, notamment à Paris avec Françoise Bache, un jour, j'en ferai quelque chose. Et donc, j'ai rejoint Générique en 2012, en tant que responsable des activités scientifiques et culturelles. Et la première chose qui m'a frappée, c'est, alors on parle des immigrés à Générique, mais on ne parle pas des femmes immigrées. Donc on parle des invisibilisés, mais on ne parle pas des doublement, voire triplement invisibilisés. Alors doublement, parce qu'on l'a dit ce matin, c'est les femmes, donc il y a la question du racisme, de l'étrangère, du sexisme, la femme. Et il y a aussi la question de l'impérialisme et du colonialisme pour les femmes issues de l'immigration coloniale. Et ça, je l'ai retrouvé dans beaucoup de témoignages que j'ai recueillis lors de différents projets avec Générique. On a mené une campagne d'archives orales, dont je vous parlerai un peu plus tard, sur des anciennes militantes féministes en provenance du Maroc et d'Algérie qui m'ont dit « Mais tu sais, moi, j'étais femme étrangère et je venais d'un pays anciennement colonisé. » Donc, imagine ma position ici en France. Voilà. Et ensuite, mon travail au sein de l'association Générique, donc en 2012. Donc, je décide, avec l'accord du bureau. À l'époque, le bureau était présidé par un homme merveilleux qui s'appelait Jamel Oubéchou, qui était directeur de l'égalité à la HALD, donc à l'ancien défenseur de droit, et qui m'a notamment poussé et encouragé à travailler sur cette question-là. Voilà, je continuerai plus tard. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais poser la même question à Geneviève. Oui, merci. Donc, à partir de quelle expérience? Oui, alors, vous avez la question, en fait, je travaille sur le cinéma, comme vous savez, et donc, en fait, évidemment, nous avons tous un rapport au film, tous et toutes, un rapport au film qui est souvent un rapport assez intime. Et effectivement, mon expérience personnelle est tout à fait stratégique dans mes choix de recherche, puisque, étant une cinéphile, comme beaucoup de gens de ma génération, ce qui m'a à un moment arrêtée, c'est des films où il y avait des personnages de femmes auxquels je pouvais m'identifier. Ce qui, globalement, n'était pas le cas dans la plupart des films que je voyais. Parce que soit des bimbos, soit des belles-mères abusives, enfin, ce n'était pas vraiment des vecteurs d'identification possibles pour moi. Et donc, j'ai fait ma thèse sur le seul cinéaste, encore aujourd'hui, je peux dire, le seul cinéaste, en tout cas, de la période classique, qui a vraiment proposé des images de femmes complexes, avec des rapports d'empathie, c'est-à-dire qui rompait complètement avec la misogynie dominante du cinéma français qui existe encore aujourd'hui, mais qui avait des formes particulières. Et ce cinéaste s'appelle Jean Grémillon et il a fait toute une série de films qui mettaient en tête d'affiche des personnages féminins, avec des actrices qui étaient en général pas des stars forcément glamour, comme Madeleine Renaud, mais qui étaient des actrices qui lui permettaient de proposer
des figures complexes de femmes qu'il prenait au sérieux et donc auxquelles il était possible de s'identifier, même si les films avaient daté des années 30, 40 et 50, c'est-à-dire la génération quand même de ma, au moins de ma mère. Donc effectivement, on peut dire que dans mon parcours, qui était par ailleurs un parcours très classique de lettres modernes, ce qui a été déclencheur, c'est la possibilité de s'identifier à des figures féminines avec lesquelles je me sentais en empathie, y compris parce que ces films montraient ce qu'étaient les souffrances des femmes sous le patriarcat. On peut le dire comme ça, un peu global, un peu grossièrement globalement, enfin si ça veut dire ce que ça veut dire. En réalité, à partir de cette expérience-là, j'ai élaboré ensuite, y compris avec mon co-auteur Noël Birch, tout un travail sur effectivement les représentations des rapports hommes-femmes dans le cinéma français classique. Mais ce sur quoi je voulais insister ici, c'est que par rapport à l'idée de passeuse d'histoire, l'histoire du cinéma, comme l'histoire de la littérature, se caractérise par l'effacement des femmes cinéastes. Et donc je voulais faire un très bref rappel du fait de ces femmes qui ont été effacées de l'histoire du cinéma français et qui ont eu souvent, qui ont toutes, on peut dire, proposé des visions alternatives des femmes et des rapports hommes-femmes. Et le travail des féministes, donc je me fais un peu le porte-parole de ma corporation, si j'ose dire, le travail des féministes à partir des années 80-90, en France et aux États-Unis, a consisté à rendre visibles ces femmes. Donc Alice Guy, ça je te rappelle, hein, qui a inventé le cinéma de fiction, quand même, c'est pas n'importe qui, hein, elle a inventé le cinéma de fiction, il faut se rendre compte qu'elle a été totalement effacée de l'histoire du cinéma jusqu'aux années 70. Bon, parce que ce milieu est particulièrement machiste, mais aussi parce que le milieu des historiens du cinéma est un milieu masculin. Hein. La décennie suivante, Germaine Dulac, dont on se souvient uniquement pour un scénario qu'elle a écrit avec Artaud, La coquille et Claire Hinjeman, qui pour moi n'a pas grand intérêt, mais en revanche, elle a fait toute une série de mélodrames féminins passionnants, y compris ce qu'on peut appeler le premier film féministe, La souriante Madame Bedet, en 1923. Marie Epstein, qui est la sœur du cinéaste bien connu Jean Epstein, mais elle a disparu aussi des écrans radars et elle a fait deux films avec une perspective, on peut dire, proto-féministe, La maternelle et Hélène. Jacqueline Audry, alors j'ai mis le bouquin que Brigitte Rollet, vous connaissez tous, vient de faire paraître aux éditions au Pur sur Jacqueline Audry, qui est la grande cinéaste, la seule, mais la grande cinéaste des années 50, qui en particulier s'est caractérisée par des adaptations de Colette, qui abordent des questions absolument taboues dans la société française des années 50, c'est-à-dire le plaisir féminin, et Agnès Varda, qui est donc la seule femme cinéaste de la Nouvelle Vague, hein, puisque, comme je le rappelle, la Nouvelle Vague est un mouvement masculin. Hein. Et donc, jusqu'aux années 70, c'est-à-dire avec le mouvement féministe, les femmes cinéastes sont extrêmement rares, mais elles sont remarquables. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'elles ont été systématiquement effacées. Donc, le premier travail des féministes que nous sommes, ça a été de les rendre visibles. Voilà. Merci. Pardon. Donc, je passe tout de suite la parole à Catherine Donat sur la même question, sur le domaine, à partir de quelle expérience particulière vous avez contribué à cette circulation des savoirs. Pour moi, c'est pas tout à fait étonnant d'être une passeuse d'histoire parce que, en fait, ma vie militante, qui commence vraiment dans les années 80, se fait autour de la presse homosexuelle et lesbienne. Et donc, très vite, se posent les questions, au-delà de faire passer une information militante, et de aussi, pour lesbiens, je pense, à une énorme importance d'être un lien, notamment par les petites annonces pour les unes et les autres, découvrir l'âme sœur, l'amour d'un jour ou l'amour de toujours. Et à partir de là, j'avais pendant très longtemps, quand on me demandait ce que je faisais à Lesbia, je me rends compte aujourd'hui que je minimisais mon rôle
et que je disais qu'on était là simplement pour accompagner quelqu'une qui ne savait pas très bien où elle en était dans sa vie amoureuse, si elle se définissait réellement comme lesbienne ou pas, qui se sentait souvent isolée, etc., et qui, par notre biais, découvrait une communauté et souvent l'autre a aimé. Et puis, que quand elle avait découvert cette communauté et son âme sœur, eh ben, elle finissait par nous quitter et, parce qu'elle trouvait le journal extrêmement médiocre dans sa qualité d'écriture ou dans ses illustrations. Et puis, avec le temps, en entendant les unes et les autres, je me rends compte que beaucoup des articles qu'on pouvait faire par ailleurs ont servi de création, ont créé en fait ce qu'on peut appeler une culture lesbienne. C'est-à-dire qu'au départ, on a d'abord commencé par faire un ensemble d'interviews qui sont ce qu'on peut appeler, qui ont travaillé sur la mémoire. Donc, nous, on a d'abord eu ce travail-là, avant d'être un travail historique, je pense qu'on a d'abord eu un travail de mémoire, c'est-à-dire de faire le lien entre notre génération et celle qui était juste avant nous, parce que d'abord, nous avons découvert celle-là. Nous sommes inscrits aussi par rapport à la culture masculine des gays, et là aussi, il a fallu qu'on se définisse par rapport à ça. Il a fallu aussi, dans des journaux qui étaient militants et où être et apparaître comme lesbienne était déjà assez compliqué, c'est-à-dire déjà avoir le courage de signer de son nom les articles, ce n'était pas si évident et c'était la première définition pour être dans le journal. C'était encore plus compliqué pour nous d'avoir des femmes qui acceptent d'être photographiées, de paraître en couverture du journal. Et d'ailleurs, plus souvent, nous, c'est nous-mêmes qui étions dans les couvertures ou dans l'illustration du journal, plutôt que d'autres, non pas par volonté de paraître, mais surtout parce que c'était une nécessité. Les enjeux qu'il y a pu alors y avoir autour de l'illustration du journal, et notamment de cette couverture, m'a fait comprendre et l'importance, en fait, de pouvoir s'identifier à des modèles et l'importance, en fait, du regard de la photographe et des photographes. C'est ainsi que je me suis aussi préoccupée de l'histoire des femmes photographes et notamment de leur rôle dans les revues d'illustration de l'avant-guerre, de l'entre-deux-guerres. Et puis, par ailleurs, ce problème de l'illustration m'a aussi amené à m'interroger sur ce qu'avaient pu faire les lesbiennes connues comme artistes, etc., d'abord dans un premier temps. Que ce soit, par exemple, une photographe comme Bérénice Abbott sur les portraits, ou une peintre comme Romaine Brooks. Et à partir de ces fils et des interviews que j'ai pu avoir avec des artistes lesbiennes, soit proches, très proches, puisque j'ai vécu pendant quelques années avec une artiste, m'interroger sur pourquoi je ne connaissais pas, en fait, énormément de femmes artistes. Et à partir de là, de tirer un fil qui au fil des temps s'est enflé. J'étais complètement abasourdie par ce que je découvrais en faisant simplement j'ai fait un travail qui en fait est un travail de documentaliste, qui est quand même ma profession, et d'aller regarder dans les brocantes, etc., les catalogues, de découvrir les expositions, etc. Et je pense, en fait, que si je n'avais pas été dans un journal qui se posait en premier ces questions de la mémoire et du visuel, eh bien, je n'aurais jamais commencé à écrire un livre sur les femmes artistes. Bon, merci beaucoup. Donc, Fabrice, même question sur le terrain et l'expérience. Oui, bonjour. L'expérience que je voudrais traiter, c'est celle sur laquelle, finalement, je travaille depuis 25 ans, c'est-à-dire les violences sexuelles et sexuées.
en précisant que j'ai commencé à travailler là-dessus un peu par hasard, et en tout cas sûrement pas en m'avançant moi comme voulant faire de l'histoire des femmes. En fait, le sujet sur lequel je voulais travailler, c'était les violences politiques dans les manifestations de rue, qui serait aussi un sujet d'actualité. Et le sujet était pris, et donc je ne savais pas trop quoi prendre, jusqu'à ce qu'on me propose en DEA de travailler sur les femmes tondues, sujet que j'ai transformé en les tontes des femmes à la libération, parce que je ne voulais pas travailler sur un groupe, une catégorie, les femmes tondues, mais bien sur la violence, ce qui permettait finalement d'envisager tous les acteurs, aussi bien les victimes que les perpétrateurs, que les témoins, et donc réfléchir d'abord sur la violence avant de réfléchir sur les femmes ou les hommes au cours de cette violence. Et à l'époque, non seulement on m'avait suggéré ce sujet, et assez rapidement je me suis aperçu non seulement de son intérêt historique, mais comme pour tous les sujets sur lesquels je travaille depuis, que les sujets qui touchent à la mort, à la vie, à la sexualité, à l'amour, sont quand même des sujets, bon là j'ai pas le temps de développer, puis c'est peut-être pas le lieu, mais qui évidemment vous implique d'une manière très particulière comme chercheur. Donc j'ai voulu continuer à travailler sur ce sujet-là. D'autre part, d'un point de vue académique, je crois qu'on dit rarement qu'un sujet ne mérite pas, il n'est pas intéressant. Il y a un argument absolument radical qui est « Ah, il n'y a pas de source, vous ne pouvez pas le faire ». Et c'est une des réponses qui m'avait été opposée à ce moment-là. Il n'y avait pas de quoi faire une thèse sur les tondes de femmes. Heureusement, d'autres ont pensé qu'il y avait de quoi faire une thèse, et entre autres Pierre Laborie ou Daniel Vollmann et François Rouquet avec qui je travaillais à l'époque, et m'ont encouragé à poursuivre sur ce chemin, et je ne le regrette pas. Donc j'ai travaillé sur la question des tondes de femmes, toujours sans du tout me revendiquer, même parfois en disant non, je ne fais pas de l'histoire des femmes, sur ce sujet. Et puis en étant à ce moment-là, en croisant plusieurs fois Raphaël Branche, on discutait évidemment de nos sujets, elle travaillait sur la torture pendant la guerre d'Algérie, moi les tontes, et tous les deux, on avait dans nos archives rencontré des mentions de viol. Et tout ça se passait à la fin des années 90 ou au début des années 2000, c'est-à-dire un moment où évidemment ce qui s'était passé ou ce qu'il se passait, puisque c'était au présent en Bosnie, avait évidemment des répercussions, ou au Rwanda également. Et l'un comme l'autre, on s'était dit, il faut faire quelque chose, nous devons comme historiens, historiennes, faire quelque chose et rendre ce sujet-là sujet d'histoire. C'est-à-dire que l'engagement que nous avions n'était pas un engagement militant au sens large, mais vraiment militant dans notre discipline. Il est légitime comme historien de travailler sur ce sujet-là, comme je l'avais fait à propos des tombes de femmes. Et non seulement il est légitime, mais on peut le faire aussi de manière académique, dans le sens où on peut produire des archives les plus croisées possibles, qu'elles soient orales ou plus classiques. D'où le colloque que nous avions organisé, Les viols en temps de guerre, excusez-moi. Et la préface était une histoire à écrire, parce que nous pensions qu'il y avait à réunir là des chercheuses, des chercheurs qui, un peu partout dans le monde, se posaient ces questions-là, et qu'il y avait donc à légitimer ce sujet. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à travailler sur... et j'ai commencé à travailler sur les viols en temps de guerre. Deux points à ce propos, et ça va en partie amorcer les questions suivantes. J'ai eu la chance à ce moment-là de pouvoir, là encore avec Daniel Vollmann et François Rouquet, réaliser une exposition, celle qui a été évoquée tout à l'heure, au Musée de l'Armée, Amour, guerre et sexualité, avec la BDIC et le Musée de l'Armée, dont une des sections portait sur la question des violences sexuelles. Et c'est vrai que, probablement parce qu'à ce moment-là, il y avait assez clairement, finalement, trois registres qui étaient le registre scientifique, et nous essayons de légitimer le viol et la violence sexuelle comme sujet scientifique, mais également celui de l'actualité à travers la guerre en Bosnie ou au Rwanda, mais aussi, évidemment, tout un apport qui a été celui du mouvement féministe dans les années 70, qui avait aussi mis sur le devant de la scène cette question-là, mais qui pouvait soit être méconnu au sein de l'académie, soit être laissé tout simplement de côté. Et c'est vrai que dès le début, on a essayé de réfléchir à comment articuler ces trois dimensions. Mais voilà, ça sera justement la question suivante.
Bon, bah, merci beaucoup. Je crois que Fabrice a insisté sur la dimension internationale. Elle est certainement croisée dans toutes les questions qu'on a abordées et dans tous les terrains qui ont été évoqués là. Donc, une deuxième question sur ces nouveaux savoirs. Quels nouveaux savoirs ces circulations ont-elles produit ? C'est-à-dire, l'idée, c'est d'essayer de comprendre que quand on veut s'intéresser justement à la circulation, c'est qu'au moment où on met en mouvement un type de savoir, il y a autre chose qui va éventuellement être découvert ou être mis en avant, ou on l'a vu déjà ce matin, des hypothèses qui sont confirmées ou au contraire infirmées, ou on s'aperçoit aussi de ses propres préjugés. Par quel vecteur ? Parce que si on veut comprendre cette circulation, c'est aussi quel vecteur, et en rencontrant quels obstacles ou quels débats ou polémiques, en sachant bien sûr que cette question est très vaste pour 5 minutes. Donc cette fois-ci, on commence par Catherine. La question que moi, je me suis posée par rapport au vecteur de mes recherches, notamment à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser aux femmes artistes, c'est de voir comment c'était... au départ inentendable par un certain nombre de conservateurs, le propos qu'on pouvait tenir. Et en même temps, c'est-à-dire juste un an avant la publication de notre livre, avait eu lieu au Centre Pompidou une exposition sur l'art contemporain où il n'y avait, pour ainsi dire, aucune femme, alors que l'exposition... se voulait un résumé de tout ce qui se passait à ce moment-là. Un groupe de femmes alors s'est constitué, dont lesquelles j'ai fait partie, qui s'est appelé les Harpies, pour dénoncer d'une manière humoristique ce manque de femmes dans une exposition qui se voulait importante. Et par la suite... en fait, suite au livre, suite à un ensemble de choses que ce mouvement des harpies a pu déclencher dans le milieu, je pense, des conservateurs, des jeunes conservatrices se sont aussi accaparées la question. Et c'est ainsi qu'on voit le centre Pompidou s'intéresser aux femmes en faisant une exposition, elle, à Centre Pompidou. Par un ensemble de... Si on fait le point aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe à Paris ce jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une exposition importante au Musée d'art moderne de la ville de Paris sur Paula Modersohn Baker, qui a été longtemps ignorée par l'histoire des arts en France. Et puis l'importance régulière que donne aux femmes photographes, par exemple, le jeu de paume. Je souligne notamment le travail de Martha Gilly, qui est la directrice du jeu de paume, qui consciemment, et le dit elle-même à chaque fois qu'elle le peut, fait le choix de présenter des femmes photographes dans de grandes expositions. Donc on voit que ce choix de s'interroger sur l'art visuel était pour nous, je pense à ma co-auteure Elisabeth aussi, un moment difficile au départ parce qu'il fallait aller à l'encontre même de nos propres préjugés, c'est-à-dire que nous étions étonnés très souvent par la qualité des travaux que nous avons découverts et que les premières à devoir... contre qui nous nous sommes battus, c'est nous-mêmes. C'est sur nos propres préjugés. Et je pense que ça a été la plus grande leçon que j'ai pu avoir sur le travail de mon travail de chercheuse comme féministe. C'est d'avoir et de faire confiance au travail des femmes. La deuxième chose... je pense que c'est... Encore un peu de temps. J'ai encore... Oui. Parce que comme il n'y aura plus beaucoup de temps après. je pense d'ailleurs que la deuxième interrogation qu'on a portée aussi par les journaux homosexuels sur notre propre culture en tant que gay ou lesbienne a eu son, j'allais dire, son, d'un coup, a été acceptée
par la présence d'un dictionnaire qui a été fait sous la direction de Didier Ribon. Et je pense que pour nous tous, tous ceux qui avaient écrit depuis des années quasi méconnus ou inconnus par le milieu universitaire, d'un seul coup, on pouvait parler et dire cette culture qui passait par le cinéma, qui passait par la chanson, le musical, aussi bien que par la littérature. Et je pense que ça aussi, ça a été un des grands combats qu'avec le temps, je me rends compte d'avoir pu utiliser la culture populaire pour dévoiler ce qui était notre propre culture et l'importance qu'elle avait. Ben, merci infiniment. Même question pour Fabrice. Oui, une des particularités sur le sujet des violences sexuelles, surtout dans ce moment des années 2000, c'est que souvent on pouvait avoir l'impression que c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et je prendrai pour exemple l'ouvrage de Suzanne Brown Miller, qui était écrit en 1975 et qui était un ouvrage très important, puisque c'est finalement le premier, il a été traduit en 1976 en français, qui abordait de fond cette question-là. Et il y a un an, avec un réseau international avec lequel je travaille, qui s'appelle Sexual Violence in Armed Conflict, nous avons organisé un colloque à Hambourg pour les 40 ans de l'ouvrage de Suzanne Brown Miller. Et on craignait qu'elle ne puisse venir débordée par les demandes. Et en fait, personne ne l'avait sollicité. Et non seulement personne ne l'avait sollicité, mais en plus, parmi les plus jeunes chercheuses ou chercheurs, eh bien, beaucoup ne la connaissaient pas. Et donc, bon, c'était évidemment un plaisir et un honneur de l'accueillir. Mais ça montrait aussi la nécessité d'un continuum dans ce travail, dans cette recherche. Parce qu'on oublie vite. Comme les journalistes, à propos des différents conflits, ont l'impression chaque fois qu'un sujet n'a jamais été traité, qu'il est nouveau et qu'il apparaît, alors qu'on sait que ce n'est pas le cas pour les violences sexuelles. Mais à l'inverse, l'autre problème est celui qui considérerait les violences sexuelles comme un mythe ou comme quelque chose d'inévitable qu'on trouverait partout, et finalement on n'aurait plus à en faire l'histoire. Alors ce que nous avons essayé de montrer, ce que je fais dans mes travaux, c'est aussi de voir comment, justement, selon les conflits, selon les situations, selon un moment d'offensive ou au contraire de retraite ou d'occupation, la situation peut être différente. Il n'y a pas un viol de guerre, mais il y a bien des viols différents en temps de guerre. Certains prennent une dimension stratégique, comme on l'a vu en Bosnie avec un caractère systématique. D'autres sont de l'ordre d'une criminalité sexuelle en temps de guerre et peuvent être parfois très sévèrement réprimés jusqu'à la mort par les hiérarchies militaires, et dans l'entre-deux, des viols qui sont, à certains moments de la guerre, du conflit, utilisés comme une arme pour terroriser, pour soumettre une population. Mais c'est cette complexité qu'on essaye et que j'essaye de développer, et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile dans le dialogue avec, justement, les autres acteurs qui travaillent sur ces questions, que ce soit des organisations, des ONG, que ce soit des associations, que ce soit d'autres scientifiques. Et l'idée, c'est toujours d'arriver finalement à articuler la dimension scientifique, la dimension de valorisation et celle, un mot que je n'aime pas tellement, mais finalement c'est comme ça maintenant qu'il est un peu rentré dans le langage courant, de l'expertise qu'on peut être sollicité. J'avais pu intervenir auprès de Gynécologie sans frontières ou auprès du Sénat ou du Foreign Office britannique, très ponctuellement, hein. Je n'ai pas changé la face du monde, comme aucun de nous, comme nous sommes conviés à ce genre de réunion. Mais c'est essayer justement d'apporter un peu de complexité dans l'analyse de cette violence. Je ne sais pas s'il me reste une minute ou... Dire une autre chose, c'est qu'il y a tout de même une difficulté aussi à écrire sur de tels sujets. Quand c'est dans le cadre d'un travail collectif, et je crois que ça c'est essentiel, ça a toujours été quelque chose que j'ai essayé de faire dans mon travail, c'est toujours plus simple. Quand c'est le viol compris comme une violence parmi d'autres dans des travaux que j'ai pu faire sur la guerre ou sur un moment de violence, c'est simple. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai dû comprendre, c'est que j'ai mis 10 ans à écrire ce qui était finalement ma propre recherche sur les viols commis par la Wehrmacht en France pendant la Seconde Guerre mondiale, qui vient de sortir dans le dernier numéro du XXe siècle. Et la première présentation, c'était en 2006. Et sans m'en apercevoir, ce qui était ma recherche à moi, j'ai mis 10 ans pour faire un article, hein, même pas un livre, un article. J'ai fait d'autres choses, hein, je vous rassure quand même. La réputation du CNRS est en jeu. J'ai fait d'autres choses. Mais
beaucoup plus facilement, finalement, en réfléchissant avec d'autres, en animant de la recherche, qu'en faisant cette propre recherche, parce que se retrouver à certains moments tout seul face à uniquement un seul type de source sûre qui raconte archive après archive, archive et après archive la violence sexuelle, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple dans ce face-à-face. Et je crois que c'est un des points qu'on abordera, c'est comment aussi se... Je ne sais pas si c'est se protéger, mais construire les outils pour pouvoir travailler sur de tels sujets. Ça a été évoqué ce matin dans la première ou la deuxième, la première table ronde également. Merci beaucoup. Donc, Geneviève. Oui, alors je voudrais mettre l'accent là sur les différences de temporalité entre la recherche et ce qu'on peut appeler la culture de masse. Alors, les travaux féministes sur le cinéma en France, ils sont récents. Ils sont arrivés quasiment 20 ans après les premiers travaux britanniques et américains. Mais dans le même temps, et en fait sous l'influence du mouvement féministe, la culture de masse, elle, a manifesté ce qu'on pourrait appeler des formes de féminisme populaire qui ont eu une véritable influence. Autrement dit, si vous voulez, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est que le monde académique n'est pas à l'avant-garde du tout. Hein? Bon. Et donc l'exemple que je voudrais vous donner, c'est celui-là. Les Dames de la Côte. Les Dames de la Côte, c'est un feuilleton télévisé qui a été écrit et réalisé par Nina Campanese en 79, qui existe sous forme de DVD, donc je vous incite vivement à vous le procurer, et qui est un véritable événement dans un mouvement de la culture de masse, de relecture féministe de l'histoire. Et donc, Les Dames de la Côte, c'est la vision de la guerre de 14 vue par les femmes. Hein? Donc, ce n'est pas la classe ouvrière, hein, mais peu importe. Ici, c'est l'idée, qu'est-ce que les femmes ont vécu pendant cet événement qu'on a toujours focalisé sur les hommes, parce qu'ils étaient dans les tranchées, hein? Qu'est-ce que ça a eu pour effet sur la vie des femmes? Et c'est un feuilleton qui a eu un succès immense, qui n'a absolument pas vieilli. Je viens de le revoir pour l'occasion et il est toujours merveilleux. Et en particulier, c'est le feuilleton qui a fait de Fanny Ardant la comédienne que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Elle joue une jeune femme en voie d'émancipation absolument merveilleuse, qui est vraiment là un support d'identification pour les jeunes femmes, hein, même aujourd'hui. Avec toutes les contradictions, c'est intéressant parce que c'est un film d'auteur, hein, d'auteur-re, c'est-à-dire c'est écrit et réalisé par une femme qui a eu une carrière antérieure comme scénariste, en particulier des films de Michel Deville, mais qui a fait une deuxième carrière comme auteur au sens plein du terme, c'est-à-dire scénariste et réalisatrice, de toute une série de films d'histoire qui avaient projet explicite de relire l'histoire à partir d'un point de vue féminin. Et l'autre saga, enfin téléfilm en deux parties très important dans ce champ, c'est L'Allée du Roi, toujours de la même, quelques années plus tard, avec Dominique Blanc, qui est la relecture de la vie de Madame de Maintenon d'un point de vue féministe. Mais évidemment, le grand intérêt là, c'est que ce sont des fictions audiovisuelles qui ont été vues par des millions de femmes. Hein? Donc il y a un vrai impact. Alors je voulais signaler, puisqu'elle est là, que les Dames de la Côte, alors bien entendu, comme c'est de la télévision, ça n'intéresse pas les universitaires, bien entendu, c'est de la culture de masse. Hein? Bon. Mais il y a quand même ici une jeune chercheuse, Taline Karamanoukian, que je salue, et qui a écrit le seul travail universitaire sur les Dames de la Côte, que vous pouvez trouver qui est en accès libre sur Internet. Hein, vous tapez les Dames de la Côte et son nom,
Karamanoukian, qui s'écrit comme il se prononce. Hein. Et vous trouverez donc cet article tout à fait intéressant qui donne une idée de l'intérêt de ce travail. Donc, depuis le mouvement féministe, on peut dire qu'effectivement, un des aspects passionnants en France, ça c'est spécifiquement français, de l'impact du féminisme, ça a été cette relecture féministe, implicite ou explicite, de tel et tel moment de l'histoire de France, hein, cette histoire qui se conjugue évidemment au masculin dans nos manuels scolaires. Et là, il y a eu vraiment tout un mouvement. Alors au cinéma, la même Madame de Maintenon a donné lieu également à une relecture féministe très différente. Donc c'est passionnant de comparer L'Allée du Roi et Saint-Cyr parce que c'est tout à fait des lectures, et donc ça donne une idée très intéressante de la diversité du féminisme. Hein. Et on peut dire Saint-Cyr, c'est plutôt un film d'auteur, alors que L'Allée du Roi, c'est plutôt une fiction audiovisuelle pour le plus grand nombre. Mais les deux sont passionnants comme relecture féministe de l'histoire jusqu'ici masculine. C'est fini. Oui, alors. C'est fini. Ouais. C'est fini. Ce sera pour la troisième. Ouais, le reste, ce sera pour... Pour après. Voilà. Et je souligne parce que c'est l'anniversaire aussi des 25 ans de l'histoire des femmes en 5 volumes dirigés par Michel Perrault et Georges Duby, dont Pauline Schmitt avait dirigé le numéro sur l'Antiquité. Et ça a eu un succès dans le public bien plus important qu'un succès. Enfin, ça a eu aussi un succès académique finalement, mais c'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus laborieux. Et là aussi, il y a une sorte de réception qui est vraiment intéressante de nos sujets et d'aller-retour entre ces différents. Mais je voulais simplement préciser, c'est que la recherche féministe sur le cinéma a eu beaucoup plus de mal à se faire entendre en France que ces formes populaires de féminisme. Voilà, mais les historiens et les sociologues ont eu quand même... Donc, une force de frappe plus importante. Merci Geneviève. Donc la même question pour Louisa sur ces nouveaux savoirs produits, ces vecteurs de savoir et les débats. D'accord. On parle beaucoup déjà ce matin de la recherche académique par rapport à la recherche, j'allais dire, en dehors de l'université. Quand on travaille pour une association comme Générique qui travaille sur la question de la mémoire et de l'histoire, je veux dire, on a une grande liberté en tant qu'historienne parce qu'on est un peu quand même, bien sûr, conditionné par le sujet, hein, qui est l'immigration, les étrangers. Enfin, c'est pas la même chose, bien sûr, hein, les étrangers et l'immigration en France. Mais disons qu'on a, ce qui est vraiment important, et j'en parlerai dans la troisième question au niveau de la réception, c'est à qui on s'adresse. C'est la question des publics. Qui est aussi bien donc les universitaires, mais qui est aussi le public, les jeunes, les élèves, les gens. On a fait beaucoup de travail à Générique dans les quartiers populaires notamment. Et donc voilà, donc ça donne une certaine liberté. Et du coup aussi sur les productions, sur les savoirs concrets. Donc on a produit sous ma direction à Générique pas mal d'expositions. Alors une grande exposition virtuelle sur les luttes des femmes dans les années 70. Je crois que ça commence, je ne sais plus, 70-80 jusqu'aux années 90, donc sur un support numérique, où on a aussi fait une exposition physique, qui est une exposition itinérante, et là je m'adresse aux structures qui travaillent sur la question des femmes. Je parlais ce matin à la personne qui travaille à la Maison des Femmes de Montreuil, que c'est une exposition que Générique, alors je ne travaille plus à Générique, mais je sais qu'on peut la prêter gratuitement, c'est un jeu, on a des jeux. Les Génériques prêtent gratuitement aux associations ce genre de production. On a aussi travaillé beaucoup sur la question donc, de la mémoire, des archives, ce qu'on appelle les archives orales. Quand on travaille sur les femmes ou sur les immigrés, on entend encore des fois, mais vous n'aurez pas de source, vous ne trouverez pas, ça n'existe pas. Eh bien, si on n'a pas, on va les créer. Donc, comment on crée? Eh bien, déjà, on travaille en réseau, on ne travaille jamais seul. Ça, c'est quelque chose d'assez fantastique quand on travaille dans l'associatif. Donc, j'ai vu ce matin qu'il y avait Anne-Marie Pavillard, des Cahiers du féminisme, et qui travaillait à la BDIC, mais qui n'est plus là. Je ne sais pas où elle est. Elle est là? Ah. Anne-Marie, elle est là. Ah, ben voilà. Ah, ben merci. Parce que tu nous as quand même beaucoup aidé sur notamment aussi la revue, le numéro de Migrance dont je vais parler. Donc, on s'appuie sur des personnes et des réseaux qui existent, ou alors on crée des réseaux aussi.
Et donc expo physique, expo virtuelle, la campagne d'archives orales, où là on a une trentaine de témoignages sur la question des luttes, et j'ai lourdement insisté au sein de l'équipe de générique pour qu'on ait au maximum une parité. Je suis partie en congé maternité quelques mois, je suis revenue, le nombre de femmes des témoins avait baissé, je suis revenue, ça a remonté. Donc voilà, mais donc on a réussi à avoir 10 femmes sur 30 témoins, mais on a des témoignages assez intéressants sur les luttes féministes des femmes immigrées marocaines, notamment au sein des mouvements féministes d'ailleurs français. C'est des choses très, très intéressantes. Et sinon, voilà, j'ai aussi coordonné la revue Migrance pendant 4 ans. Et avec une collègue, Sarah Clément, on a vraiment insisté pour produire un numéro sur les femmes dans l'immigration ou de l'immigration au 19e et au 20e siècle. Donc Myriana, qui est là, tu devais contribuer et ça n'a pas pu se faire. C'était vraiment dommage. Mais voilà. Sur la question, je ne sais pas s'ils ont encore un tout petit peu, sur les obstacles. Donc j'ai parlé de la question des sources. On a dit qu'il n'y a pas de sources. Quand on travaille sur de l'histoire immédiate, des sources, il y en a toujours. Alors les sources écrites, c'est une chose, les sources publiques notamment, mais les sources privées, il faut aller voir les associations, il faut aller voir les militants, il faut aller voir les personnes qui étaient là à l'époque, notamment sur la question là, des viols pendant la guerre. C'est des sujets parfois un peu difficiles et très intimes, donc les gens ont un peu de mal à libérer leurs paroles. Mais la dernière chose, le plus grand obstacle, c'est la question des moyens financiers, puisque sans sous, on ne peut pas produire, on ne peut pas travailler. Donc encore une fois, voilà, le travail en réseau, s'appuyer sur les réseaux existants et sur les personnes qui peuvent vous aider, aide énormément. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va passer à la troisième question, qui voudrait, toujours à partir de votre expérience, de vos domaines, qui aimerait insister davantage sur les enjeux de cette circulation et de la réception de ces savoirs historiques. Et peut-être aussi les projets en cours et les moyens d'élargir cette diffusion. Donc cette fois-ci, on commence par Geneviève. Oui. Merci. Oui, alors les enjeux, à mon avis, sont de trois natures, en tout cas dans les domaines que je connais. D'une part, construire des figures tutélaires féminines, féministes, à qui puissent s'identifier les femmes cinéastes d'aujourd'hui. Vous savez que nous avons le privilège en France, d'avoir entre 20 et 25% de films faits par des femmes cinéastes chaque année. Mais je dirais que le grand problème, c'est que le modèle du cinéma d'auteur, dans lequel ces femmes en général travaillent, est un modèle qui reste masculin. Et on le voit là, dans toutes les instances de légitimation, là, le Festival de Cannes, pour ne pas le nommer, la présence des hommes est absolument écrasante et reste écrasante, et donc il y a un problème de modèle. Et j'ai mis cette illustration des Enfants du siècle de Diane Curis parce que c'est un film qui relisait d'un point de vue féministe la liaison entre George Sand et Musset en prenait pour son grade, et le film a été l'objet d'une descente en flammes de la part de la cinéphilie masculine, hein, qui occupe le terrain totalement, hein. Et donc c'est un bon exemple, si vous voulez, du type d'obstacle qui demeure en France, c'est-à-dire que pour justement constituer, entre guillemets bien entendu, parce que par ailleurs c'est pas ma tasse de thé, mais un panthéon féminin de cinéastes auquel les femmes puissent s'identifier pour proposer des films un peu différents de ceux que font les hommes. L'autre enjeu, c'est celui de participer à la vulgarisation d'une autre histoire du genre et des femmes à travers des films de fiction et des documentaires qui remettent en cause la doxa historique. Alors, l'exemple des Suprajettes est édifiant. Vous savez que c'est un film britannique, ce n'est pas un film français, hein. Cette fiction historique est très rigoureusement documentée. Elle est propre à atteindre un large public, mais elle a été accueillie en France avec beaucoup de condescendance, toujours par cette même critique cinéphile qui fait la pluie et le beau temps, parce qu'elle se donne pour objectif de rendre compte de la lutte des femmes britanniques pour le droit de vote. Et évidemment, pour le cinéma d'auteur, ce n'est pas un sujet, ça. C'est la sociologie, et la sociologie, c'est l'ennemi principal, hein, pour un vrai artiste. Hein. Et de ce point de vue-là, il faut constater en France que la télévision reste un médium beaucoup plus accueillant que le cinéma pour ce genre de relecture féministe de l'histoire. En revanche, la situation, effectivement, en Grande-Bretagne n'est pas du tout la même, y compris parce que
l'opposition cinéma-télévision, culture de masse, culture d'élite n'existe pas, et qu'on peut faire, avec l'argent de la télévision, par exemple Channel 4, des films qui vont sortir en salle et qui ont des sujets politiques, ça ne pose aucun problème, y compris des sujets féministes. Donc c'est vraiment une spécificité française, cette dichotomie culture d'élite, culture de masse, qui reproduit une dichotomie culture masculine prestigieuse, culture féminine méprisée. En revanche, j'ai constaté que, alors pour toujours rester sur l'histoire, hein, les relectures féministes de l'histoire, en France, le film ou le téléfilm historique, comme c'est des productions à gros budget, parce que ça coûte cher, hein, le film historique, en général, ce sont des équipes masculines. Et vous en avez un bon exemple, un village français, dont je vous permets d'admirer l'épouvantable affiche, là. Hein. C'est quand même une extraordinaire démonstration de... je pense, une extraordinaire démonstration inconsciente du mépris dans lequel la télévision tient son public pour faire des affiches aussi moches. Hein. Mais de toute façon, on s'en fout, parce que... Bon. Donc, c'est écrit par trois hommes et avec un conseiller historique qui est Jean-Pierre Azéma, un très grand historien, pas vraiment féministe. Et le résultat, c'est que, certes, bien entendu, ils sont pas idiots, il y a beaucoup de personnages féminins, mais je ne sais pas si vous avez suivi cette intéressante série qui en est à la 7e saison, la configuration des personnages féminins se caractérise par rapport aux personnages masculins par une beaucoup moins grande complexité, par le fait que leur personnalité sociale ne passe par leur mari, enfin elles n'en ont pas d'autonome, et que les seuls personnages valorisés sont des femmes de la classe ouvrière. Il y a en particulier deux personnages de bourgeoises qui sont des caricatures de garces absolues qui n'existent que dans l'imaginaire masculin français, hein, soyons clairs. On m'a dit que, quand même, on leur avait fait remarquer qu'ils exagéraient un peu dans la misogynie et qu'ils avaient essayé d'améliorer leur truc, mais enfin, même en améliorant leur truc, c'était pas améliorable. Hein. En particulier, le personnage de l'épouse du médecin qui a pour amant le SS qu'il a préalablement torturé à la cigarette, enfin bon, c'est hallucinant. Hein. Quant à l'épouse de l'entrepreneur, elle est encore pire, enfin bon, il n'y en a pas une pour rester l'autre. Et on a affaire à une forme de misogynie typiquement française, c'est-à-dire où les questions de classe masquent les questions de genre, c'est-à-dire que ces femmes, de toute façon, c'est des bourgeoises. Donc on peut dire sur elles les choses les pires, hein, comme c'est des bourgeoises et nous, on est des gens de gauche. Non, on sait bien que les femmes de la classe ouvrière, elles sont formidables, enfin, sauf qu'elles sont quand même moins glamour et puis qu'en général, c'est des personnages un peu plus secondaires. Voilà. Donc, voilà un exemple des contradictions typiquement françaises, hein, concernant donc les relectures plus ou moins inspirées par le féminisme de l'histoire. Je vous remercie. Merci. Donc, on peut enlever là. Voilà. Avant de passer. On peut enlever mon bureau, s'il vous plaît. Voilà. Avant de passer la parole à Louisa, je précise juste que le film Suffragette a fait un grand scandale aussi en Grande-Bretagne et que Myriam Boussaba-Bravard devait venir nous en parler, puis elle n'a pas pu parce qu'on a changé de date. Et on a beaucoup reproché, d'un point de vue antiféministe et réactionnaire, à ce film de faire, soi-disant, l'apologie de la violence. Et c'est très intéressant. C'est leur petite polémique à eux. C'est pas contre la théorie du genre, mais c'est contre la violence des suffragettes et comment est-ce qu'on peut oser proposer comme modèle de réhabiliter cette violence. Mais ça a été un très grand déchaînement antiféministe, à la grande surprise des personnes qui s'intéressaient au sujet. Alors, Florence, je dirais que l'intérêt de ce débat, c'est que c'est un débat sur le fond. Il y a eu un débat. Ouais. En France, il n'y a pas eu de débat. Il y a eu une critique cinéphilique qui a dit c'est un film académique, historique, aucun intérêt. Mais bon, donc passons à toujours notre troisième question, à Louisa. Donc toujours les enjeux de la réception et les moyens éventuellement de l'élargir. D'accord. Alors, d'améliorer cette circulation. Avant de parler de la diffusion et des moyens qu'on a utilisés sur les projets qu'on a montés sur les femmes à générique, j'aimerais juste revenir un peu en arrière sur la deuxième question, parce que ça me semble, tout est lié au fait. Hein, voilà.
c'était la question de la... un peu ce qu'on produit. Enfin, voilà, c'est quoi l'enjeu? Pourquoi on essayait de produire tous ces savoirs? Pourquoi on veut? Est-ce que c'est parce qu'on a des financements et que la région Île-de-France nous dit « Cette année, on va travailler sur l'égalité homme-femme, sortez-nous quelque chose ». Bien entendu, ça joue, bien sûr, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, j'aimerais juste dire sur la question de... Quand on travaille sur l'immigration et sur les femmes, sur les... J'aime pas le terme minorité, mais c'est... Enfin, je reprends un peu la terminologie anglo-saxonne des minorities. C'est de pouvoir donner la parole à ceux qu'on a ou oubliés, volontairement ou involontairement, ou qui ne figurent pas dans les manuels d'histoire ou pas assez souvent. C'est la question de permettre aussi à la personne de raconter son histoire et de se l'approprier et de redonner à ces gens, à ces personnes-là, et surtout aux femmes, ça me tient vraiment à cœur, une place dans l'espace public. Alors, quel est cet espace public? La campagne d'archives orales qu'on a menée à Générique, donc on travaille toujours en réseau avec des comités scientifiques, donc on avait des spécialistes de la BDIC, des archives départementales du Val-de-Marne, parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur cette question-là, des chercheurs, des historiens, britanniques notamment. Et aujourd'hui, cette campagne d'archives orales est terminée, elle s'est terminée en octobre dernier. Les enregistrements sont aux archives nationales. Donc on a créé un inventaire, hein, avec des collègues à moi, on fait ça, mes collègues archivistes. Elles ont tout inventorié avec un index, un vrai inventaire scientifique. Hein, et l'autre, il me semble qu'elles sont aussi disponibles à la BDIC, bien sûr, qui est partenaire de Générique depuis très longtemps. Et quand on dit à une personne qui a milité dans des mouvements féministes ou maoïstes des années 70 qu'aujourd'hui, ils ont leur place dans le panthéon quand même du patrimoine culturel français que sont les archives nationales, ça leur fait quelque chose, voilà. Et j'aimerais juste dire que donner sa parole et participer à une campagne d'archives orales, c'est pas anodin, c'est pas facile de parler comme ça à une caméra avec un soi-disant spécialiste en face qui vous pose des questions et voilà, et qui est assez détaché, parce qu'on doit être détaché quand on mène ce genre de projet. Sur la question de la diffusion, on travaille beaucoup, bien sûr, à Générique sur le papier, mais moi, je suis aussi quelqu'un de très numérique, très digital. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui, et que ce soit les universitaires ou les associations, les centres, les institutions patrimoniales ou culturelles, d'une, travailler ensemble et se servir des outils qui existent déjà sur le net pour faire connaître. Parce que produire une archive pour la mettre dans un carton, ça ne sert à rien. Enfin, personne ne va s'en servir et ça ne produira pas de savoir. En revanche, monter des partenariats. Alors, à Générique, on a monté un partenariat. On s'est fait un peu critiquer avec Google, hein, qui a une plateforme d'exposition en ligne qui est fantastique, qui est gratuite et qui fournit quand même tous les outils de référencement et toute la technologie derrière pour faire connaître notre travail. Donc ça a été fait en 2012. On a monté 4 expositions virtuelles avec Générique, donc, dont une sur les femmes. La dernière en date était sur l'histoire sociale et ouvrière franco-allemande de 68 à 88, il me semble. Et voilà, c'est d'utiliser, au fait, ce que j'essaie de dire, c'est d'utiliser les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si en milieu universitaire, le numérique ou en tout cas Google parle vraiment, mais j'ai participé à un colloque en juin dernier en Grande-Bretagne où je montrais, j'aurais dû vous donner l'URL des expos qu'on a montées, où j'avais une audience d'universitaires britanniques à qui je montrais donc les expos qu'on avait montées et qui étaient là, mais c'est fantastique, avec des témoignages, des gens qui parlaient de mai 68, etc. Et un historien qui est venu me voir et qui m'a dit, mais c'est fantastique, nous on a monté un projet d'archives orales sur 68 en Europe, un grand, grand projet qui a, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait une quinzaine de chercheurs européens qui a récolté donc des témoignages fantastiques sous format audio. Et aujourd'hui, tous ces témoignages ont été mis sur un site et le site ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus de sous. Donc voilà. Donc ça, c'est des archives qui existent, mais qu'on ne peut pas, auxquelles on ne peut pas accéder. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que moi, je milite aussi pour la diffusion sur le numérique, même si on n'est pas tous connectés à Internet. En tout cas, c'est là et c'est plus pérenne que dans un carton sur une étagère. Voilà, merci. Merci beaucoup. Mais ça me donne juste envie de vous préciser que vous êtes filmé et une fois que c'est traité,
et par le centre Simone de Beauvoir notamment, ou par Anna qui travaille avec nous, eh bien, c'est aussi sur Dailymotion. C'est-à-dire que ça a permis que même si le site ne survit pas, il y aura quand même les vidéos. Et la question que je me posais aussi, mais on y reviendra dans le débat, c'est comment on peut essayer d'inventer un accompagnement néanmoins. Parce qu'une fois, même si c'est sur Google ou sur Dailymotion, voilà, est-ce que ça suffit ? C'est-à-dire que vu la quantité de ce qui est produit au niveau des archives numériques, est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin dans les vecteurs justement de circulation ? Donc, dernière question, toujours troisième question pour Fabrice. Et ensuite, Catherine. Donc, les enjeux. Les enjeux et la constitution de nouveaux savoirs et éventuellement les moyens d'élargir cette circulation. Alors, les enjeux, j'en vois plusieurs sur la question des violences sexuelles. La première, c'est de continuer, du point de vue de l'histoire en tout cas, à ce qu'il y ait de nouveaux travaux. Nouveaux travaux ne veut pas forcément dire que la violence sexuelle ou le viol en temps de guerre doit être le sujet principal, mais qu'il doit être intégré dans des recherches parfois plus larges. Pour répondre à une remarque de ce matin sur la vie sexuelle de François Mitterrand, on n'est pas obligé de faire une thèse sur la vie sexuelle de François Mitterrand. Par contre, il me semble qu'il est essentiel d'intégrer la sexualité ou les violences sexuelles dans le rapport au pouvoir et à la politique dans ce cadre-là, et en ce qui me concerne, dans la réflexion sur ce qu'est une guerre et ce qu'est une violence de guerre. Je citerai deux exemples récents. Gilles Legas qui a publié une histoire du corps expéditionnaire français en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle ne fait pas tout son travail sur les viols en temps de guerre, mais il y a un chapitre consacré à ces viols qui sont massivement commis par le corps expéditionnaire français en juin 1944 dans la région de la Campanie et du Latium. Donc voilà, c'est l'idée qu'il est quand même difficile aujourd'hui de penser les guerres, les conflits, les violences en temps de guerre sans intégrer cette dimension. Évidemment, ça, il faut le faire en réseau, parce que vu la multiplicité des conflits, des guerres et des travaux, il est essentiel de voir à l'échelle internationale ce qui se fait. Beaucoup de choses sont produites, pas forcément connues, et il y a tout un enjeu à relier ces différents travaux. En sachant néanmoins, parce qu'on a tendance à l'oublier, que l'anglais est une langue formidable pour communiquer au niveau scientifique, mais pose néanmoins un problème, c'est que régulièrement dans ces colloques, certains pays vont être surexposés et d'autres sous-exposés. Et qu'on a, je crois, en permanence à garder ça à l'esprit. Une troisième question que j'ai évoqué un petit peu, et c'était ce matin, c'est travailler sur ces sujets n'est pas anodin, quelle que soit la discipline dans laquelle on est. Et je crois qu'il y a quelque chose au niveau de la formation des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses sur ces sujets-là, parce que ce n'est pas évident de se retrouver tout seul pour encourager, former, aider à ce que des équipes se constituent et qu'il y a un échange aussi dans le rapport à ce travail. Et là, alors ce sera une petite critique, et pourtant, croyez-moi, ce n'est pas du patriotisme disciplinaire d'historien ou d'historienne, mais j'étais là ce matin pour la table ronde sur les violences sexuelles qui ne sont pas en temps de guerre. Et je crois qu'il y a une petite tendance à considérer que les violences sexuelles qui ont lieu aujourd'hui concernent certaines disciplines, la sociologie, l'anthropologie ou les sciences politiques ou la démographie, et que finalement, avant 70, c'est-à-dire avant la révolution féministe, c'est un autre sujet qui n'est pas lié. Et je crois qu'il y a néanmoins une vraie expertise, une vraie compréhension aussi de cette violence à travers l'étude des conflits antérieurs qui méritent d'être intégrés. Et je pense qu'il y a une interaction entre ces deux domaines, finalement, qui se doit d'être développée pour éviter parfois d'entendre justement ce que j'évoquais tout à l'heure. Oui, mais des viols, on en a toujours eu. La question de la visibilité de cette violence, aujourd'hui, d'un point de vue historique, on peut considérer que aujourd'hui, quand il y a une guerre quelque part dans le monde, on a presque l'impression que le viol est devenu la première violence qui est évoquée. C'est très récent. Ça n'a pas toujours été le cas et ça ne sera probablement pas le cas toujours. Mais actuellement, elle est un peu la première violence, comme la violence sexuelle pédophile est presque venue au premier rang du crime en temps de paix. Et je crois qu'il faut être attentif à ce que cette surexposition momentanée, je pense, ne soit pas quelque chose qui, du coup, nous fasse oublier la complexité de ce sujet. Je prendrai encore une remarque à ce propos. C'est la question du vocabulaire juridique. Vous savez probablement que depuis le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, le viol a été successivement qualifié de crime constitutif de génocide et constitutif de crime contre l'humanité.
on peut considérer que c'est une victoire du point de vue du droit international. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, il n'était rien du tout. Il était crime de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale et il était dans les textes internationaux comme crime de guerre. Et un viol qui ne serait pas crime contre l'humanité, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'importance et qu'il ne faut pas le prendre en compte et qu'il ne faut pas ni l'étudier quand c'est dans le passé, ni agir pour qu'il n'ait pas lieu quand ça se déroule sous nos yeux actuellement. Donc ce phénomène finalement d'avoir voulu, pour la justice internationale, rendre le crime de viol non seulement de plus en plus visible, mais de plus en plus grave du point de vue de la dénomination, il faut être attentif néanmoins à ce qu'il n'efface pas tous les autres et que du coup, quand il n'est pas un crime contre l'humanité, il ne devienne pas plus rien. Et je crois que c'est justement aussi en articulant les travaux sur le temps passé, les conflits passés, l'histoire et ceux aujourd'hui qu'on peut le faire. Je crois que j'ai fini. Voilà. Non, bah, merci, c'est parfaitement calibré. Donc, ouais. Catherine. En vous écoutant, je me posais justement la question de comment on allait faire avec cette masse d'archives numériques, puisque justement mon travail, puisque je suis documentaliste à l'INA, est de devoir travailler, de travailler devant des archives qui deviennent monstrueuses par leur masse, et que l'éloignement en fait du support, puisque avec la numérisation on s'éloigne du support d'origine, va poser toutes les questions de la traçabilité du document, et que c'est ici justement un des lieux où on peut aussi se poser cette question qui va avoir une importance de plus en plus grande pour tous les travaux de recherche, à savoir, quand on a un document numérique, comment retrouver son origine et être sûr qu'on a bien le document d'origine. D'autant plus qu'actuellement, on voit que les archives sont colorisées et que même des documents qui n'avaient pas de son, on leur redonne un son et on réinvente les voix, par exemple, de Pétain pour le document sur Pétain qu'on a eu le droit de voir. Avant toute chose, je pense qu'il est aussi, pour nos travaux, important de réfléchir à cette numérisation et à ce qu'elle signifie. Je dis ça d'autant plus que, justement, la numérisation m'a permis aussi, actuellement, de réfléchir et de découvrir aussi notre façon de travailler, par exemple, pour nous, lesbiennes, sur notre histoire. En regardant ces archives depuis plus de 20 ans, je suis à l'INA, je me suis rendu compte, alors que moi, jeune militante dans les années 80, j'avais un grand mépris sur le placard des années 50 et 60, qu'en regardant la télévision de cette même époque, je découvrais en fait une culture et une visibilité énorme de ces femmes entre elles qui ont pu pendant 20 ans à peu près se dire, non pas se dire je suis lesbienne, etc., mais se montrer dans leur culture qui n'était en fait pas lisible par l'ensemble des gens qui regardaient la télé à l'époque, mais qui était, on peut dire, la télévision d'un coup permet à une vie culturelle qui existait dans des lieux, dans des bois, des cabarets, etc., d'un coup, de surgir à l'antenne. Évidemment, à l'époque, personne ne s'en rend vraiment compte à part les personnes réellement concernées et au parfum, mais et l'enregistrement n'étant pas visible, la plupart de ces documents n'ayant pas été vus depuis, je suis une des premières, en fait, à pouvoir les lire. Et ce plaisir que j'ai eu, j'ai aussi pu me rendre compte que ce n'était pas simplement moi qui hallucinais sur une période, parce que j'ai eu la chance de pouvoir présenter un ensemble de documents avec Elisabeth Lebovici et moi. On a pu montrer ces documents, un ensemble de documents qu'on avait choisis à Cinéfab, le festival de films lesbiens. Et à notre grande surprise, on a vu
des jeunes femmes d'une vingtaine d'années réagir de la même façon que celles qui avaient 60 et peut-être plus devant des documents qui nous parlaient et qui nous parlaient de notre histoire. Et donc, voilà, ce que je voulais mettre en avant, c'est ces deux problèmes de la numérisation et de l'accès aux archives. C'est-à-dire, c'est à la fois une grande chance pour nous tous de redécouvrir et de pouvoir relire ces images. Et je vous insiste tous et toutes à travailler avec les archives de la télévision, parce que c'est une source incroyable pour l'histoire, pour les histoires des femmes. Il me semble que si on regarde les archives télé, on verra que le mouvement des femmes ne commence pas dans les dates auxquelles nous pensons, mais bien avant, parce qu'il y a des émissions, il y a des moments de télévision qui disent déjà des choses. Il y a les journaux de programme qui nous montrent des femmes au travail, qui sont les femmes de la télévision. Les speakerines sont des femmes qui travaillent, etc. Et nous avons oublié que ces femmes qui prenaient la parole aussi bien dans les variétés pour présenter, que certaines ont pu être aussi déjà des productrices de télé à partir des années 50, et que toutes ces femmes qui étaient chroniquées dans les journaux de programme ont été les premières femmes réellement montrées dans des travaux, dans des bureaux, avec des téléphones à la main. Voilà. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut se rappeler, enlever toute nostalgie, enlever tout mépris pour ce média et aller voir, parce qu'il est important pour tous nos travaux.